Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai perdu mon emploi il y a maintenant quelques semaines. J'ai d'ailleurs mis dans mon décor quelque chose en rapport avec cela. Est-ce que vous l'aurez trouvé? À vous de me dire en commentaire. Et donc je me suis dit, bon, le chômage, je connais. Un jour, je vous en parlerai. Ce n'est pas la première fois que je suis au chômage, donc j'appréhende un peu moins cette période qui est quand même difficile et dans laquelle je me complais, ne nous mentons pas, puisque je n'ai pas encore trouvé exactement ce que j'ai envie de faire dans ma vie, à part devenir riche. Et dans ce sens, je me suis dit, pourquoi ne pas jouer à l'Euromillions? Il faut savoir que la semaine où j'ai perdu mon travail, c'était, je crois, le vendredi où il y avait la super cagnotte 130 millions, etc. Jusqu'à, ça coupait mes musiques sur Deezer pour me dire, oui, je suis team Deezer. Je suis vieille, il faut me laisser maintenant. Ça coupait mes musiques sur Deezer pour dire, oui, ce vendredi, vous allez être tranquille, nanana. Parce que Euromillions, nanana, donc pas de coupure. Il faut savoir que ce vendredi-là, j'ai fait une longue route. Donc en fait, c'était peut-être la semaine d'après, puisque c'est quand je suis partie me faire tatouer. Bref, ce vendredi, donc j'avais une longue route pour en faire le Gers Angers. J'avais donc 10 heures que je ne paye pas parce que j'écoute de la musique qu'en voiture sur de très petits trajets d'habitude. Et que ça n'a pas arrêté de couper pour nous dire qu'il avait l'Euromillions. Vous dites, mais elle fait une intro. On veut savoir! Et ben vous allez pas savoir tout de suite. Donc, je suis partie jouer. Je joue les mêmes numéros depuis que j'ai, je sais pas, 18 ans. Même si j'ai déjà fait des lotos avant d'avoir 18 ans via mes parents. Bref, ne jouez pas. Et si vous avez des soucis, je vous mets le numéro juste ici. Parce qu'il faut jouer avec modération. C'est comme tout. Je ne vous donnerai pas des numéros parce que, imaginons qu'un jour je ne joue pas et que vous les jouiez. Et que vous gagnez le pactole! Non pas que je ne vous souhaite pas de... gagner le pactole, mais pas avec mes numéros, trouvez vos propres numéros en fait. Bref, je suis donc partie jouer en me disant, bon, de toute façon, tu ne gagnes jamais rien, en tout cas à l'Euromillions, parce que les tickets à gratter par contre, je gagne toujours, quasiment, enfin bref. Donc je suis partie jouer, j'étais là, bon, sans trop, voilà, sans grande conviction. J'ai oublié de regarder le tirage, j'ai oublié. J'ai oublié, alors que c'était potentiellement ma seule solution pour que le chômage soit doux. Parce que oui, Pôle emploi est là, bien évidemment, je vais toucher des droits, je vais pouvoir payer mon loyer, ma nourriture, mes factures, tout ça. Oui, qui ne voudrait pas des sous gagnés facilement? Je parle pas de drogue, ou d'ailleurs c'est pas si facile je pense, hein, de vendre de la drogue. Je ne veux pas savoir, ne me dites pas en commentaire, merci. De l'argent propre et gratuit, tout ça, en remplissant des petites cases. Mais tout le monde, je sais qu'il y a des gens qui ne voudraient pas gagner des grosses sommes parce qu'ils ne sauraient pas quoi en faire, ils ne sauraient pas comment gérer, etc. J'en ai toujours fait partie, mais ça résoudrait beaucoup de mes anxiétés. J'aurais pas à penser à l'argent. Je vivrais tellement plus sereinement. Je prendrais quelqu'un pour me faire à manger déjà, en première chose, parce que j'adore cuisiner. Et je commence à en avoir marre, moi aussi j'ai envie d'être réveillée avec l'odeur du petit déjeuner en train de se faire. Non, ça n'arrive pas. À la rigueur, j'ai les odeurs du plat que j'ai fait de la veille. Tout ça pour dire que la vie de riche, nouveau riche, facile, mais ça me tente les gars, ça me tentait et c'est pour ça que j'ai joué. C'est pour ça. Et franchement... vous me direz si vous aussi ça vous tente, parce que des sous à ne plus quoi savoir en foutre. Je ne dis pas que l'argent fait le bonheur, mais il y contribue. En tout cas pour ma personne qui aime acheter tout et n'importe quoi, même quand elle n'a pas d'argent. Savoir que moi j'ai d'argent, genre dans la fin du mois, qui commence souvent vers le 15 du mois, plus je dépense. À base de, et vous connaissez cette phrase, ceux qui sont comme moi connaissent cette phrase, au point où j'en suis, j'aimerais être au point où j'en suis en ayant un tas d'argent derrière moi pour me backup, vous voyez? Ce n'est pas le cas. Je mets des sous de côté, mais il y a toujours des choses qui font que... J'essaye de me raisonner. Sachez, hein, vraiment, j'essaye de me raisonner. Mais des fois, je dis... Mais oui, mais c'est que 10 euros, c'est que 15 euros, c'est en édition limitée, j'adore cette palette.
pour me maquiller uniquement pour vous, hein. Pour moi, en premier lieu, bien sûr. Mais je fais mes vidéos, enfin, ça me fait plaisir de me maquiller pour faire des vidéos. Donc, d'un côté, c'est un petit peu pour vous aussi. Mais sinon, à quoi me sert d'acheter du make-up au chômage alors que je ne sors pas de chez moi? Oui, parce qu'il y a des gens qui ont des chômages productifs. Ce n'est pas mon cas. Netflix, 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 dormir, Netflix, voilà. Et manger, bien sûr, entre-temps, mais ça, vous vous en doutez. Je voulais faire cette vidéo pour quand même sensibiliser sur les dangers du jeu, ne pas jouer à outrance, ne pas baser toute sa vie sur un gain potentiel, puisque l'argent qu'on gagne dans toutes ces loteries, c'est l'argent que les gens ont investi en y jouant. Donc en fait, ceux qui jouent beaucoup, ils récupèrent l'argent qu'ils ont joué, en fait, tout simplement. Voilà, j'avais envie de faire une vidéo sur ça. Oui, je vais parler de mon gain astronomique. Oui, bien sûr. Sachez que je ne vais pas perdre la tête. Avoir le melon, je l'ai déjà! Je suis magnifique, hilarante, douée, tout ce que vous voulez. Et en plus, j'ai gagné de l'argent en investissant que 2,50€. On dirait pas les vidéos. Vous pouvez, en 4 étapes, doubler vos gains par mois. Enfin, quand c'est 2,50€, doubler... Oui, bon, des fois, je suis à 2,50€ près. Mais ce n'est pas la question. Vous allez vous dire, mais elle nous veut quoi avec cette vidéo à rallonge pour nous parler de tout et de rien? Mais j'avais juste envie de vous parler d'argent. Parce que l'argent, c'est mon sujet de prédilection. Voilà. Je suis le genre de personne qui voudrait être payée 6 000€ à rien faire. Parce que je le fais bien, vraiment, je sais bien rien faire. En gardant mon appartement propre, en me nourrissant, en me lavant, etc. Je suis douée pour ça. Ça devrait être un métier. Je vais me lancer, hein. En 4 étapes avec... Pardon. Tout ça pour vous dire que... C'est le moment. Je vais vous l'annoncer. J'ai gagné à l'euro-million. Pour la cagnotte de 130 millions. 5,60€. Qu'est-ce que je vais faire de toute cette thune? Sur ce, à la prochaine!